butu eumeli na bomo inangai tongo ebonango kotana na misa bomo tonazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te mokila te nakozala moto si longtemps n'a fallu na ma colonne yo liziba na bomoi yakoka okate yangonga enatie elike nanga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi yo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki miku ekauka ezwa bomoi bongonga nazali kopema yo na banga de plus, voici une nouvelle tranche de l'émission. Votre émission que nous appelons Réalité spirituelle. Dans cette émission Réalité spirituelle, nous avons pour objectif de livrer des informations spirituelles qui peuvent être nécessaires afin que un grand nombre de gens comprennent les réalités spirituelles. Donc, ce qui se passe, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, mais qui en réalité sont tout près de nous. Donc sur cette tranche, la fois dernière nous avions parlé le secret d'une prière efficace. Nous avions parlé de comment il faut prier pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais aujourd'hui nous continuons toujours dans le même sens, qui est en fait la prière du combat. La prière du combat, pourquoi nous devrions maîtriser la prière du combat? Parce que notre vie ici sur Terre, tous les jours c'est un combat. Tous les jours c'est un combat. Les combats dans votre vie ne commencent pas parce que vous avez défié les diables. Que vous défiez les diables ou pas, sachez-le que si vous avez seulement accepté Jésus-Christ dans votre vie, automatiquement les combats commencent. Donc, du simple fait que vous avez accepté Jésus-Christ en vous, ça veut dire que vous êtes déjà dans une guerre. Donc, que vous défiez les diables ou pas, vous êtes déjà dans une guerre quand vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous devrions être conscients de ces combats qui se déroulent en nous. Parce que le combat entre Dieu et les forces du mal se déroule dans l'homme. Donc, il y a une opposition, il y a Dieu qui veut vous racheter, et à les diables qui veulent faire l'opposition. Donc ce combat est une réalité qui va dans plusieurs volets, dans les volets de la sorcellerie, de la magie. Mais dans tous ces combats, vous devriez savoir que vous n'avez pas un adversaire qui est nouveau. Votre adversaire, il est ancien. Donc, si votre combat, c'est avec le magicien, sachez-le que la grande partie de la magie d'aujourd'hui vient de l'Égypte. Et à l'époque où Moïse avait frappé l'Égypte, toutes ces divinités-là, qui sont différentes sciences occultes ou dans les différentes voies de magie, avaient existé à cette époque-là. Donc Dieu
l'Éternel et Tout-Puissant les avait déjà affligés une défaite. Que vous connaissez bien l'histoire de Moïse. Donc, vous n'avez pas devant vous un adversaire que vous n'avez pas vaincu. Donc, le même adversaire que Moïse avait vaincu, le même divinité que Moïse avait vaincu, parce qu'à l'époque, l'Égypte était la plus grande puissance occulte. En ce qui concerne, parce qu'il y avait même la philosophie qui était là-bas, il y avait beaucoup de sciences, et ils étaient déjà avancés à l'époque. Donc, y compris, ils avaient des divinités qui attiraient l'attention de plusieurs personnes. Alors, pour des raisons, afin que Dieu puisse montrer sa grandeur, il avait dit dans la Bible, je mettrai toutes les divinités égyptiennes en jugement. Donc, c'est une situation que Dieu avait créée lui-même pour montrer sa grandeur, pour montrer qu'il est plus grand que les divinités égyptiennes. Alors, donc, si vous êtes attaqué par des forces magiques, sachez-le que ce n'est pas un nouveau combat, c'est un combat que vous avez déjà vaincu dans les passés. Donc, si vous êtes attaqué par les forces de la sorcellerie, sachez-le que vous l'aviez aussi déjà vaincu, parce que toutes ces choses vont de pair. On ne peut pas être un magicien si on n'est pas sorcier. On peut être un sorcier sans pourtant être un magicien, mais on ne peut pas être un magicien sans pourtant être un sorcier. Parce que même étant que la sorcellerie est une branche de la magie noire, mais on ne peut pas, les deux vont ensemble, parce que tout ce sont des forces lucifériennes. Donc votre adversaire n'est pas nouveau, c'est juste qu'il vous manque des informations pour faire face au diable. Parce que dans tous les combats spirituels que nous livrons, la première des choses, il faudrait avoir l'attitude positive. L'attitude positive vous assure la victoire dans tout votre combat. Parce que, pour mieux comprendre le combat dans lequel nous faisons face, je pense mieux qu'on doit d'abord prendre la Bible. La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, la Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, ok? La Bible nous dit dans Éphésiens 6, 12, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Donc, premièrement, votre combat n'est pas contre l'homme. L'une des diversions que le diable utilise, il focalise votre attention sur l'homme. Nous allons lire le livre de deux rois. Non, nous allons lire le livre de deux rois. En attendant que je suis en train de le chercher. Deux rois 6, 17. Deux rois 6, 17. Nous allons lire le livre de deux rois 6, 17. La Bible nous raconte une histoire d'Élisée. Deux rois 6, 17. Ok. La Bible nous raconte l'histoire d'Élisée. À l'époque où Israël était en train de lutter avec les Philistins, il y avait les prophètes Élisée à cette époque. Le juge en Israël, c'était les prophètes Élisée. À toute fois que les Égyptiens faisaient des projets pour venir attaquer Israël, le prophète Élisée savait cela en avance et disait aux armées israéliennes de se positionner à tel endroit, parce que l'ennemi viendra dans tel endroit. Alors, les Philistins, un jour, ils avaient compris qu'il y avait un prophète en Israël qui trahissait leur position. Alors, ils étaient venus en grand nombre pour cette fois-ci attaquer Élisée. Cette fois-ci, ce n'était pas seulement attaquer Israël, mais c'était venu pour attaquer Élisée. Sur ce point-là, j'aimerais aussi tirer l'attention du serviteur de Dieu. Lorsque vous défendez des gens dans les combats, sachez qu'un certain temps, le diable va détourner son attention des gens qu'il attaque. Il va tourner son attention vers vous. Donc,
automatiquement, quand vous priez pour les gens, sachez que le diable pointe son regard sur vous. Donc le diable pointe son regard sur vous, il se positionne aussi pour vous attaquer. Alors, lorsque ces derniers avaient décidé de venir attaquer Élisée, ils sont arrivés à la maison d'Élisée. Alors, lorsque le serviteur d'Élisée, que nous appelons Géasi, il avait vu les armées qui venaient, il était paniqué. Élisée lui dit, Élisée pria pour lui, lui ouvrit les yeux. Géasi vit une multitude d'anges qui étaient avec eux. Mais avant ça, Élisée avait dit quelque chose à Géasi. Il lui dit, il répondit, n'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Ici, le prophète Élisée ne parle pas des armées qui étaient venues l'attaquer, mais il dit ceux qui sont avec eux. Donc, malgré qu'il y avait une armée physique, il y avait des forces spirituelles qui accompagnaient cette armée. Donc, notre guerre se situe d'abord au niveau spirituel. C'était logique. L'armée, ils ont su qu'il y avait quelqu'un qui traçait leur position, alors on va aller les arrêter. Ils sont venus, ils avaient des chars. Mais Élisée dit à Géasi, qui était son serviteur, il dit que ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Donc, même le combat que vous subissez physiquement a son origine dans le monde spirituel. Vous connaissez l'histoire de Moïse. Lorsque Moïse était allé délivrer les enfants d'Israël, la dernière nuit, la colonne de feu était placée entre l'Égypte et les camps des Égyptiens. Donc, un combat qui était censé être physique, où Pharaon avait déployé tous ses armements, mais il y avait une dimension spirituelle dans laquelle cette guerre se déroulait. Aujourd'hui, un grand nombre de gens perdent le combat spirituel parce qu'ils se focalisent sur l'être humain, qui est soit un sorcier, qui est soit un être humain, ou soit son patron, ou ses amis qui sont en train de l'empêcher d'avancer. Alors, lorsque vous détournez votre attention de la dimension spirituelle, ça veut dire que vous avez loupé le combat déjà. Ça veut dire que vous avez déjà loupé le combat. Parce que tous ceux-là qui viennent vous attaquer, les agents physiques ne sont que des arbres, mais il y a une racine. La racine, ce sont les forces spirituelles qui encouragent, qui préparent ce genre de combat contre votre vie. Donc, lorsque vous êtes devant un combat spirituel, ne focalisez pas votre attention sur les êtres humains, mais focalisez votre attention sur des esprits qui sont en train de les animer, de vous attaquer. Ça, c'est le premier positionnement pour engager une bataille contre les forces obscures. Parce que Paul nous dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les principautés, contre les princes de ce monde. Donc, toutes les personnes qui viennent nous attaquer sont d'abord influencées. Lorsque vous êtes victime d'une attaque sorcière, sachez qu'il y a des gens, il y a des esprits qui influencent des gens. Même un sorcier, pour quitter de chez lui et venir vous attaquer, il a besoin de force spirituelle, donc ce que nous appelons l'esprit transporteur, qui va lui permettre de quitter un endroit X à un endroit Y, qui va lui donner le pouvoir de traverser les murs, qui va lui donner les différents pouvoirs. Donc, même le sorcier qui vient vous combattre, il ne vous combat pas avec son propre pouvoir. Parce que si c'était le cas, il aurait pris un couteau et vous poignardé en pleine journée. Mais il se limite à vous combattre spirituellement. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Parce que même ceux-là qui sont de la sorcellerie, ils sont étonnés. Un jour, on lui dit, nous voulons ton père. Ils ne font qu'exécuter, mais ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'on a demandé que... Ils l'ont demandé de donner son père. Parce que le programme ou bien les gens qui doivent être livrés proviennent directement depuis les diables. Donc les diables, quand ils trouvent que vous êtes un obstacle pour lui, il va vous mettre dans la liste et il va arranger un agent humain pour vous attaquer. Donc dans tous les combats spirituels, il y a toujours un agent humain. Donc ça, ne l'oubliez jamais. Il y a toujours un agent humain qui a pour la responsabilité d'accomplir les attaques sur vous. Parce que nous avions dit dans les émissions passées que les démons sont des forces subtiles. Lorsque Dieu avait remis le monde entre les mains de l'homme, ça veut dire que le pouvoir du diable était limité. Donc le diable n'a aucun pouvoir d'attaquer directement l'homme depuis
le monde spirituel vers le monde physique sans avoir un pont. À moins que cet homme-là lui-même ait ouvert les portes dans le passé par les initiations, par des pactes et autres qui confèrent au diable ce pouvoir-là de l'attaquer. Mais si quelqu'un n'avait pas fait cela dans le passé, ce qui revient à dire que afin qu'il puisse être attaqué, le diable doit former, donc doit dresser un autre homme par lequel il va perpétuer, il va passer ses attaques. Par lesquels il va passer ses attaques. Le diable voulait empêcher le roi David à accéder au trône, mais vous savez que le démon venait habiter dans le corps du roi Saoul, qui tentait, à toute fois que le démon venait vivre en lui, il tentait de ôter la vie de David. Donc vous voyez, même les gens, les êtres humains qui vous attaquent, ne sont pas eux vos ennemis. Ils ne sont que des pions. Voilà pourquoi si vous allez un peu plus loin, Jésus dit, aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux-là qui vous font du mal. Je sais que parmi les enseignements qui ont été donnés, on nous avait toujours montré que pour mieux vaincre l'ennemi, il faut les haïr. Non. Dans les combats spirituels, les règles sont différentes. Parce qu'on ne peut pas combattre Lucifer avec ses propres armes. Avec la haine, avec la colère, vous ne pouvez pas combattre Lucifer avec ses propres armes. C'est comme si vous voulez vous battre avec un crocodile, mais vous l'emmenez dans l'eau. Parce que quand vous allez dans la haine, ça veut dire que vous adhérez dans un terrain qui est... Parce que les sorciers connaissent la haine plus mieux que vous. Les sorciers connaissent la colère plus mieux que vous. Donc si vous voulez lutter avec eux dans la colère, d'abord, cela rend d'abord nul et sans effet vos propres prières. Parce que nous avions dit que la prière du combat est différente de la prière que nous appelons de demander quelque chose à Dieu. Parce que la prière de demander quelque chose à Dieu, ça consiste à faire traverser votre prière sur les sept sphères de Lucifer afin d'atteindre l'endroit où on appelle l'accomplissement des requêtes. Mais la prière de combat, c'est juste former un champ d'énergie autour de vous, ce champ d'énergie qui aura pour rôle d'expulser les agents subtils. Donc, quand vous êtes en face d'un démon, sachez qu'un démon a besoin d'un pont. Pourquoi ? Parce qu'un démon, d'abord, il est incomplet. Il est incomplet, il ne peut pas vous attaquer. Il ne peut pas vous attaquer, il ne peut pas vous vaincre. Il a besoin qui sera son canal par lequel il va vous attaquer. Donc, lorsque un combat tombe dans votre vie, la première enquête que vous devrez faire, vous devez être vigilant avec votre entourage. Les agents humains qui peuvent être la raison de votre attaque, peut-être un agent humain qui avait vécu dans le passé, vos parents, arrière-parents qui ont ouvert une porte dans les différentes alliances qui ont été faites avec des esprits. L'agent humain peut aussi être, si c'est une attaque de la sorcellerie, l'agent humain doit être un être physique. Parce que bon, pour mieux le comprendre, nous allons aller dans l'attaque de la sorcellerie. Lorsqu'il s'agit de l'attaque de la sorcellerie, les démons vont s'infiltrer dans un sorcier par lequel ils vont vous attaquer. Donc ce sorcier, cette attaque est directement liée à une personne qui vous connaît. Parce que dans les règles de la sorcellerie, il faudrait infiltrer l'entourage de la personne qu'ils veulent attaquer pour mieux connaître. Ok? Dans les combats démoniaques, nous avons une dimension que nous appelons les esprits qui sont morts, les esprits des gens qui sont morts. En fait, c'est pas une vraie mort parce que dans la magie noire, il y a un mystère qui consiste à créer une illusion autour de la personne d'où on pense que la personne est morte. Vous l'enterrez, donc on crée une fausse maladie, on crée une fausse morte. La personne meurt, vous l'enterrez. Lorsque vous l'enterrez, eux, la nuit, ils vont venir, ils vont rappeler, ils vont remettre l'esprit de cette personne dans son corps. Cette personne va sortir de sa tombe, ils vont l'emmener. Et, ou soit cette personne va t'opérer ici dans le monde physique, ou soit cette personne va t'opérer dans le monde des eaux. Mais ces personnes-là aussi ont le droit d'attaquer l'être humain, donc ont le droit de servir les ponts. Donc avant que les diables viennent vous attaquer, il faudrait savoir que le diable a créé un pont qui passe par un être humain qui est ici sur terre ou qui passe par un être humain qui se trouve dans l'au-delà. Donc, dans tous vos combats, sachez qu'il y a un être humain qui est le pont. Donc, ce qui revient à dire que vous devriez d'abord multiplier d'abord la vigilance. Parce que le problème, pourquoi est-ce que j'emmène ces informations-là? Beaucoup de gens font la guerre sans connaître
l'origine de ces attaques. Sans connaître qui vous attaque. C'est comme vous avez des flèches et vous les balancez dans les noirs, dans l'obscurité. Donc vous avez d'abord besoin de comprendre quel est le genre de combat que vous menez. Quel est le genre de combat que vous menez avant de riposter ou avant de commencer d'attaquer. Donc la première stratégie, lorsque vous sentez qu'un combat vient dans votre vie, le premier 7 jours, c'est de consulter l'Éternel, de vous montrer d'où vient votre combat. Je sais que vous voulez combattre, mais faire des stratégies de combat, c'est plus mieux parce que vous saurez contre qui vous allez vous battre et vous serez vigilant contre cette personne. Donc le premier 7 jours, vous devriez faire un effort de comprendre contre qui vous vous battez. Par exemple, moi, de mon côté, quand j'ai commencé les émissions ici à la télévision, le diable avait donné la responsabilité à deux agents humains que moi je connais. Un serviteur de Dieu et une femme. C'est à eux que le diable a donné la responsabilité de me détruire. Je les connais très bien. Vous voyez? Donc je sais déjà quel est le canal que le diable utilise pour essayer de m'atteindre. Donc là, je ne combats pas aveuglément, je combats en ayant les informations. Parce que les gens combattent sans avoir les informations. Vous envoyez le feu contre qui, contre quoi? Actuellement, que moi je vous parle, l'endroit qui m'attaque directement, ce sont les esprits des eaux. Donc, tous les jours, je vois les forces des eaux qui se réunissent, qui se forment pour venir m'attaquer. Donc, j'ai deux combats auxquels on a remis le dossier à un sorcier qui est un serviteur de Dieu et une femme, et on a remis le dossier au serviteur du monde sous-marin. Donc je connais exactement d'où provient mon combat. Donc, pour combattre votre adversaire, toutes les prières que vous faites au nom de Jésus, le feu, tout ce que vous faites, c'est tellement trop important. Mais il faudrait d'abord, la première des choses, faire un diagnostic spirituel. Votre diagnostic spirituel va être lié au chiffre 7. Pourquoi le chiffre 7? Parce que les enfants d'Israël, ils avaient utilisé le chiffre 7 pour faire écrouler les murs de Jéricho. Donc, ça c'est aussi un devoir que je vais vous donner. Vous allez prendre vos Bibles, vous allez lire toute cette histoire-là, où Israël, il faisait le tour de Jéricho. Donc, dans votre combat, vous devrez respecter ces rythmes qu'Israël faisait. Les premiers jours, ils firent les tours du mur de Jéricho une fois. Le deuxième jour, deux fois. Ainsi de suite. Donc, dans votre combat contre votre adversaire, ce qui a été donné par la Bible n'est pas un fait au hasard. Ce sont des stratégies mises en place pour combattre. Donc, le premier jour, vous allez aller au rythme numéro 1, le deuxième jour vous allez aller au rythme numéro 2, le troisième jour vous allez aller au rythme numéro 3. Et donc lisez exactement comment est-ce que les enfants d'Israël avaient fait le tour du mur de Jéricho. Faites le combat dans ces rythmes. Ça c'est un combat qui assure la victoire à tout prix. Parce que dans notre vie nous avons deux genres de combats. Nous avons un combat où l'Éternel dit « Gardez silence, je combattrai pour vous ». Il y a un autre type de combat où c'est vous-même qui devrez aller combattre. Si nous regardons dans la Bible, nous allons voir qu'il y a un combat que Dieu combattait pour Israël. Et il y a un autre combat que Israël combattait et Dieu disait que « Allez-y, je vous livre votre adversaire ». Mais pour que Dieu vous livre votre adversaire, vous devriez connaître votre adversaire. Sinon, les sorciers qui habitent dans votre maison, ça sera l'une des personnes qui va vous aider à faire des prières. Qui va même commencer à vous réveiller la nuit. Non, c'est votre heure de prière. Il va même créer cette diversion-là parce que vous ne les connaissez pas. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y avait une mère sorcière, une mère sorcière qui avait donné la sorcellerie à son enfant. Mais cette mère, c'est elle-même qui allait de pasteur en pasteur pour chercher qui va délivrer sa fille. Mais c'était elle-même la sorcière. Vous voyez comment elle faisait la diversion pour toutes les personnes qui les regardaient. Il disait non, mais cette femme-là, vraiment, elle a la volonté d'aider son enfant. Elle a vraiment la volonté. Parce qu'elle va de pasteur en pasteur
jusqu'à ce qu'un jour, elle était tombée à un prophète qui a su que non, toi-même aussi tu es sorcière, c'est toi qui as initié cette fille. Donc les sorciers, dans le combat de la sorcellerie, les sorciers c'est quelqu'un qui fait la diversion. Lorsque vous constatez que vous êtes engagé dans un combat, devenez un homme ou une femme qui a maintenant les secrets. Ne négociez pas avec les sorciers. Vous pouvez voir un sorcier qui vous attaque, même si vous lui dites que vous m'attaquez, il ne va pas arrêter parce que les ordres ne viennent pas de lui. Il reçoit aussi les ordres parmi les esprits qui lui donnent la mission de vous attaquer. Surtout lorsque les sorciers viennent vous attaquer, c'est parce que vous avez déjà un nom dans la liste. Donc quelqu'un vous avait déjà livré. Donc quelqu'un a déjà donné votre nom dans la liste des gens qui doivent être éliminés. Et tous ces sorciers-là qui viennent, ils n'ont que pour un seul rôle de chercher à ramener votre esprit dans les mondes de la sorcellerie, dans les plans astrales. Parce qu'un sorcier ne peut pas vous atteindre si votre image n'a pas encore apparu dans leur monde, dans le miroir qu'on appelle Ordali, ou ça peut aussi être une calebasse mystique. Mais avant de vous vaincre, votre image doit apparaître dans l'autre monde. Donc, tous les combats que vous constituerez, que vous constaterez auprès de vous, c'est juste pour amener votre image dans cette dimension. Comment connaître que vous avez un combat avec les sorciers? Là, je parle encore des sorciers, je vais parler des esprits. Donc, comment connaître que vous avez un combat avec les sorciers? Vous allez les constater par vos rêves. Dans vos rêves, vous allez souvent rêver les animaux qui vous attaquent. Parce que lorsque nous avions parlé de la bénédiction, les cas aussi touchaient la nature. Voilà pourquoi il est bien vraiment de suivre nos émissions passées. Nous avons dit que les quatre zones de puissance sont en l'homme. Donc la nature animale est en nous. Donc les sorciers n'utilisent que cette nature animale-là pour se transformer. Parce que chaque sorcier a un totem, a un animal dans lequel il se transforme. Donc quand vous rêvez des animaux, sachez que c'est une attaque directement qui vient des sorciers. Donc vous n'avez pas besoin de voir une personne. Mais si vous rêvez les animaux, vous entendez les bruits des animaux, sachez que votre attaque provient directement des sorciers. Alors, si votre attaque provient directement des sorciers, ça veut dire que vous devriez multiplier votre vigilance en tout ce que vous avez. Parce que les sorciers, lorsqu'ils vous attaquent, il a besoin d'infiltrer quelqu'un qui est à côté de vous, qui a besoin de vos informations. Lorsque vous êtes dans les combats, on ne livre plus ces informations. Le silence est une arme très forte. Il faudrait garder votre silence. Je vous ai dit que l'attitude positive assure la victoire du combat spirituel. Mais dans tous les combats spirituels, peut-être que vous lui résistez, il va vous plonger dans les points zéro que nous appelons la Maya ou l'illusion. Ces points zéro consistent à vous emmener dans l'état des péchés. La Bible n'exclut pas le combat dans notre vie. Il n'y a aucune prière que vous allez faire pour arrêter le combat dans votre vie. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc ça veut dire que la guerre fait partie de votre quotidien, du simple fait que vous avez changé du camp. Donc votre prière ne peut pas être une perte de temps en ce qui concerne arrêter les combats. Mais de savoir que vous avez la victoire. Parce que la victoire, déjà Jésus-Christ avait donné la victoire il y a 2000 ans sur la croix. Dans les combats spirituels ne doivent pas être employé au présent. C'est là l'erreur que beaucoup de gens font. On ne combat pas spirituellement au présent. On combat spirituellement au passé. Si vous perdez votre temps à combattre spirituellement dans ce qui est présent, sachez-le que le combat peut vous prendre beaucoup de temps. C'est d'ailleurs l'une des stratégies du diable, de vous garder dans les combats. Et vous serez distrait toute votre vie. Vous n'allez plus atteindre les objectifs de votre vie. Parce que lorsque vous êtes dans les combats,
votre énergie sera éparpillée. Donc, vous n'allez plus vous concentrer sur votre futur. Donc, même Salomon avait dit, mon père David avait l'intention de construire le temple de l'Éternel, mais à cause des guerres, il n'a pas pu le faire. Donc, vous pouvez avoir de gros projets. Lorsque un sorcier sait que vous avez de gros projets, les sorciers va intensifier le combat. S'il sait qu'il ne peut pas vous vaincre, il va intensifier le combat et va ramener votre attention dans le présent. Or, tout ce qui est présent, vous donnez la vie à cela. Parce que la force spirituelle est dans le présent, la foi est dans le présent, la foi n'est pas dans le futur, la foi n'est pas dans le passé. Voilà pourquoi l'Éternel dit à Moïse, je m'appelle Je suis. Donc, lorsque vous combattez contre les forces de l'ennemi, référez-vous au passé. Qu'il y a 2000 ans sur la croix, Satan, tu avais été vaincu. Il y a tant d'années, Moïse avait frappé, l'Éternel avait frappé les divinités égyptiennes. Donc, que votre combat provienne de la franc-maçon, que votre combat provienne de la rose-croix, toutes ces divinités-là proviennent de l'Égypte, des conquérants ainsi et autres. Donc, vous avez un adversaire que vous avez déjà vaincu. Ce que vous aurez à faire, c'est de présenter juste l'ordonnance. C'est comme vous avez une parcelle, quelqu'un vient vous dire que non, ça c'est ma parcelle, il veut vous ravir la parcelle. Je crois que pour ce genre de personnes, il ne faudrait même pas livrer un combat contre eux. C'est juste prendre votre livret, lui montrer que non, cette parcelle m'appartient. Le combat va s'arrêter. Donc, quand vous ramenez votre combat, les sorciers qui vous attaquent, c'est vrai, il est ici dans les moments présents, mais ses attaques, sa force, proviennent du passé. Comme ce sont des esprits qui les animent, alors vous attaquez la racine. Lorsque vous attaquez la racine, ces esprits ne seront plus à mesure de fournir la force à l'agent spirituel, à l'agent physique qui vous attaque. Voilà pourquoi Élisée avait dit que ceux qui sont avec eux, ceux qui sont avec nous, sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Dans tous les combats spirituels, comme je vous ai dit, on va essayer de vous écarter, de vous emmener dans la dimension du péché. Comment connaître que les combats spirituels sont en train de commencer dans votre vie? La première des choses, on vous donne la lourdeur de prier. Sachez que quand vous constaterez que vous êtes lourd dans la prière, il y a déjà un combat qui se prépare. Puisque la Bible nous dit, dans Jean 14, 20 ou Jean 20, 14, donc entre les deux, Jésus dit que je suis dans le Père, vous êtes en moi, moi je suis en vous. Et donc, si nous sommes en Jésus, Jésus est en nous et Jésus est dans le Père. Donc, comprenez que, afin que les diables vous arrachent, il doit venir vous chercher dans les Pères, donc dans Dieu. Donc, Satan doit mettre sa main à l'intérieur de Dieu pour vous arracher. Donc, c'est une mission impossible déjà. Donc, c'est une mission déjà impossible. Le diable sait qu'il ne peut pas aller, ne peut pas l'oser. Donc, pour vous attaquer, il doit d'abord vous emmener dans la vie des péchés. Donc, si vous constatez que vous devenez accro à un péché, sachez-le que il y a déjà un combat spirituel qui commence. Attaquez les forces spirituelles derrière chaque être humain, comme Éphésiens 6, 12 nous le dit. Je vais vous raconter ma propre expérience et ensuite je vais donner un chemin pour prier. Il y a 3 ans passés ici aux États-Unis. J'étais victime d'une attaque sorcière. Lorsque j'étais arrivé ici aux États-Unis, j'avais déjà le feu de prière, je priais beaucoup. Et à un certain moment, j'étais tombé dans la distraction, où j'avais totalement négligé la vie de la prière. Or, j'avais déjà un dossier dans le monde invisible qui consistait à m'éliminer, à me bannir à tout prix. J'ai négligé, je suis tombé dans les péchés. Lorsque je suis tombé dans les péchés, j'ai commencé à sentir les combats. D'abord, j'ai commencé par des accidents. Donc, en 6 mois, j'avais fait 6 accidents de voiture. Donc, 6 mois, chaque mois, accident. Chaque mois,
Accident, chaque mois, accident. Donc, j'étais, quand j'ai fait l'accident, si j'appelle la police, dès que je vais donner mon nom, mon nom c'est Patricio, déjà la police va te dire de Jésus. Donc, la police déjà, sait déjà que c'est toi. Puisque c'était tous les mois. Donc, pour la quatrième fois que j'ai appelé la police, j'ai juste dit mon nom c'est Patricio. La policière a conclu de Jésus. Donc, c'est Patricio de Jésus. Donc, on me connaissait déjà. Vous voyez? Donc, lorsque j'ai fait mon sixième accident, je me suis réveillé. Je me suis dit non, ça c'est pas normal. Parce que lorsque les diables vous attaquent, la première des choses, ils s'arrangent à ce que les choses puissent être normales. Même des erreurs que vous commettez, ce sont eux qui les dictent. Vous allez voir, non, il fallait que j'appuie l'embrayage, le frein, j'ai appuyé l'accélérateur. Vous allez croire que c'est une erreur humaine, mais c'est déjà une erreur qu'eux, ils ont inculquée en vous. Pourquoi parmi des milliards de voitures qui existent, seulement votre voiture qui fait l'accident? Pourquoi parmi des milliards de voitures qui circulent dans la rue, ce n'est que vous que la police arrête? Donc, il faudrait avoir la dimension spirituelle pour comprendre les manipulations du diable. Donc, lorsque cet événement-là était arrivé, je sais que j'étais dans l'état de péché, je sais que ma vie de prière n'était pas celle que j'avais auparavant parce que j'avais perdu même des visions, j'avais perdu même les contacts, je n'entendais même plus de voix. Alors, je me suis redressé, j'ai commencé à prier, j'ai fait d'abord la confession, j'ai dit « Dieu, je sais que Seigneur Jésus-Christ, j'ai marché, je n'ai pas marché selon ta volonté, j'ai marché selon mon désir, selon ma volonté, je reviens entre cette main. Alors Père, je vais réconcilier avec toi, dis-moi là où j'ai péché, je vais prendre la décision d'abandonner cela et de revenir sur tes voies. » Alors, la même nuit lorsque j'ai dormi, mes yeux se sont ouverts. J'ai vu quelqu'un qui était avec moi, c'est cette personne-là qui était une sorcière. Je l'ai vu pour la première fois. J'étais étonné parce que je ne m'attendais pas. J'habitais que le sorcier était même dans la maison. Alors, lorsque je l'ai su, je lui ai dit que, écoute, moi j'ai constaté que tu es dans la sorcellerie tout ou autre, donc il faudrait arrêter. On ne négocie pas avec un sorcier. Ça avait toujours continué. Alors, une fois, c'était vers... Une fois, c'était vers, je pense bien, 6 heures du matin. Je m'étais réveillé. J'ai senti la présence dans la chambre. J'avais mon téléphone, j'avais tourné les dos contre la porte. J'ai senti qu'il y avait un bruit qui allait de coin à l'autre, mais ce bruit était rapide. Je me suis dit, mais qui peut marcher si vite comme ça dans la chambre? Alors, je me tournais pour voir. J'ai vu la personne qui habitait avec moi était devenue court comme ça, à 15 cm, je pourrais dire. Lorsque j'ai vu cette scène, j'ai senti que tout mon corps était paralysé. Alors, la personne qui faisait ces mouvements-là a su que je l'ai vu. Cette personne a essayé de venir contre moi. J'ai mis ma main comme ça. Je dis que le Seigneur Jésus qui se me protège, j'ai senti il y avait comme je pense bien comme un miroir, comme c'est comme vitre, quelque chose de ce genre-là. Lorsque cette personne venait, il s'écrasait contre ce mur-là qui était, je dirais même, un mur qui était transparent. Donc, lorsqu'il vient, il s'écrase pour la première fois, il s'écrase pour la deuxième fois, pour la troisième fois, il entre dans la... cette personne, elle entre dans les closettes, dans l'endroit là où nous mettons nos habits, il va dans la salle de bain. Après quelques instants, cette personne est sortie de la chambre. Lorsque je l'ai regardé, j'ai vu, elle est entrée dans la chambre. Lorsque je l'ai regardé, j'ai vu le masque de la sorcellerie qui était dans son visage. Donc, tous ces 6 mois que je faisais les accidents, c'était cette personne-là qui était avec moi, qui perpétuait ces accidents-là. Le lendemain seulement, donc après l'événement s'est passé aujourd'hui, donc là j'ai commencé maintenant à me réveiller dans la prière. Donc le lendemain, vers 4 heures, cette personne va au travail, je reviens à la maison,
Je sens un bruit au salon. Brr, brr, brr. Je dis, mais quel est ce bruit qui se passe au salon? Je sors pour aller voir. J'arrive au salon. Je vois un grand nombre de gens. Je me posais la question, mais qu'est-ce que ces personnes sont venues faire ici dans la maison? Alors, je ne comprenais pas que c'était des sorciers qui avaient atterri. Je pensais qu'il avait un problème et que moi, je m'étais trop endormi et que je n'avais pas vu. Donc, je me posais beaucoup de questions. Alors, lorsque je regardais derrière moi, la personne que je connaissais déjà être sorcière, je l'ai vue venir toute nue. C'est là où je suis que c'était une attaque sorcière. Alors, j'ai dit que le feu du Saint-Esprit sorte. J'ai senti le feu qui sortait du salon, dans le salon. Alors, je suis reparti dans la chambre. Lorsque je suis reparti dans la chambre, j'ai trouvé que mon corps physique dormait et moi, je venais de l'extérieur pour aller dans la chambre. Lorsque j'ai vu ce phénomène, je suis que j'étais déjà hors de mon corps et ils étaient venus me chercher. Alors, lorsque le feu sortait, un d'entre eux m'a tenu à l'habit lorsqu'il m'a pris des corps. J'étais dans le monde de la sorcellerie. C'était tout sombre. Il y avait des tam-tams, il y avait des gens attachés dans les arbres. Lorsque je parlais des trois dimensions de la sorcellerie, des trois dimensions du monde de la sorcellerie, il y a un monde des sacrifices, il y a un monde des restaurants, il y a un monde où il y a les centres-villes. Là où on amène beaucoup de petits enfants pour leur montrer le monde astral, comment c'est beau, mais un monde des sacrifices. Donc j'étais tombé directement dans le monde des sacrifices. Lorsque je suis tombé dans le monde des sacrifices, je dis que l'ange de l'Éternel me délivre. Je n'avais pas fini les mots de ma bouche, que je vis les ciels s'ouvrir, je vis une personne sur un cheval qui était habillé en blanc, mais il avait une écharpe, comme les écharpes des musulmans, bleues, qui descendait depuis les ciels, il lançait une épée. Lorsqu'il lançait l'épée, l'épée ne quittait pas ses mains, mais il y avait des petites épées qui sortaient, qui tombaient. Lorsque ça tombait, ça créait le feu dans ces villages-là. Le feu, il a commencé à détruire cet endroit-là. Alors, il m'a pris, il m'a ramené dans ma chambre. Je trouvais que j'étais en face de mon corps et puis mon corps m'a aspiré. Je suis rentré dans mon corps, j'ai commencé à respirer très vite. Alors, la personne-là qui était sorcière, qui avait cette mission, me téléphone aussitôt. Me dit d'aller les prendre, de les ramener à la maison parce qu'ils sont le feu en elle. Je suis parti, j'ai pris cette personne, j'ai commencé à les parler de... Mais pourquoi est-ce que tu veux m'attaquer? Tu ne trouves pas qu'il y a une résistance angélique, tout. Pour dire qu'avant que les sorciers arrivent à ce point-là, ils étaient d'abord obligés de m'emmener dans les points zéro. Donc, lorsque vous constatez la lourdeur, vous n'êtes plus à mesure de respecter votre propre emploi du temps de la prière, sachez que c'est déjà un combat qui est le vôtre. Je vous ai dit qu'il y a deux combats. Il y a un combat que l'Éternel dit, gardez silence, je combattrai pour vous. Ça, ces combats-là, parfois vous ne les verrez pas, parfois vous ne les soupçonnerez pas, les anges vont se battre. Mais lorsque vous sentez un combat, ne dites pas à l'Éternel, donc engagez-vous, n'attendez pas que les anges viennent de vous défendre eux-mêmes. Ça veut dire que le combat que vous constatez, c'est un combat que vous devez vous-même battre, vous-même se battre. Mais vous allez vous battre dans ce combat-là en se référant du passé pour exclure la dimension du combat dans votre quotidien. Moi, j'ai des combats spirituels, mais ça ne se fait pas remarquer dans ma vie physique. Ma vie physique marche très bien. Parce que je ne ramène pas ces combats au niveau présent, au moment présent. Je les garde au passé et ma victoire au passé. Donc, je me réfère toujours au passé. Donc, je leur dis que vous n'allez pas vous battre avec moi parce qu'il y a 2000 ans sur la croix, j'ai eu cette victoire. Donc, je me réfère aux événements déjà passés. Lorsque vous ramenez votre combat dans le présent, vous allez sentir votre combat. Parce que votre combat provient parce que vous avez accepté Jésus. Votre combat provient parce que vous avez une étoile. Donc, du simple fait que le démon vous attaque, c'est d'abord deux choses. C'est parce que vous avez Dieu, premièrement. C'est parce que vous avez une étoile qui brille. Le sorcier, les magiciens, les démons peuvent voir votre étoile. Tout le monde peut voir l'étoile. Lorsque Jésus était né, les mages avaient vu, les mages qui sont des astrologues, ils avaient vu l'étoile de Jésus. Mais c'était des magiciens. Donc, un sorcier aussi peut voir votre étoile, mais il ne sait pas, il peut voir votre étoile de grandeur, mais il ne sait pas comment est-ce que le diable accomplira ces choses-là dans votre vie. Comment est-ce que, quelles sont les voies que Dieu utilisera pour devenir grand? Comment est-ce que Dieu vous fera un homme grand ou une femme grande?
Il ne sait pas. Ils savent qu'il a juste l'étoile. Lorsque Hérode avait su que l'étoile du Messie était sortie, Hérode avait demandé d'exécuter tous les petits enfants de 0 à 2 ans. N'est-ce pas? Donc il attaquait n'importe où. Donc les sorciers aussi, quand ils constatent que vous avez une étoile, ils vont attaquer de partout. Ils vont vous attaquer même dans les choses bêtes. Ils vont attaquer toutes les voies, même votre voiture, même votre emploi, vos relations. Ils vont essayer d'attaquer partout parce qu'ils savent, le diable leur donne la responsabilité d'essayer d'empêcher afin que votre étoile ne brille pas. Donc ne ramenez pas d'abord votre combat au présent. Parce que si vous restez dans les combats, vous risquerez de ne rien faire comme David. Dans les présents, appelez toujours la paix. Parce que le prince de paix, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ se trouve déjà en vous. Donc, prenez cette paix intérieure que vous avez. Donc, dans les combats, lorsque vous perdez déjà la quiétude, le calme, l'attitude positive, sachez que, automatiquement, vous avez déjà perdu votre combat. Ou votre combat peut perpétuer. Appelez toujours la paix au présent. Faites cette... Je peux l'appeler exercice, je peux l'appeler cette prière. Le matin, lorsque vous vous réveillez, demandez que les princes de paix vous donnent. Parce que vous n'allez plus chercher Jésus-Christ ailleurs. Jésus-Christ est déjà en vous. Puisqu'il est le prince de paix, dites à lui, créez d'abord vous-même une paix intérieure. Et cette paix va venir à l'extérieur. Cette paix, remplie d'amour, va créer un champ de protection qu'aucune force obscure ne peut percer. Vous allez voir, les combats vont se dérouler loin de vous. Parce que vous avez créé la paix autour de vous. Or, pour que Salomon puisse construire le temple de l'Éternel, puisque David n'avait pas pu à cause des guerres, qu'est-ce que Dieu avait donné à Salomon? C'était d'abord la paix avec tous ses voisins. Pendant tous les règnes de Salomon, même les Philistins n'avaient pas attaqué Israël. Les Philistins qui ne restaient pas 5 ans sans attaquer l'Israël. Mais parce que la paix était d'abord venue. Vous vivez parfois dans le combat parce que vous avez défini votre vie comme étant un combat. On est dans les combats, mais c'est un combat passé. Notre présent, c'est la paix. L'attitude que vous créez en vous, c'est cette attitude positive qui crée le champ de protection, qui crée votre bouclier. Donc, plus que les diables vous attaquent, vous aussi intensifiez la vie des prières. Intensifiez la vie des sanctifications. Parce que lorsque vous intensifierez la vie des prières et la vie des sanctifications, votre combat deviendra un combat angélique. Je vous ai dit mon combat. C'était commencé moi-même. Mais à la fin, c'était un ange de l'Éternel qui était venu me délivrer. Parce que j'avais intensifié la vie des sanctifications et la vie des prières. Donc, réformez-vous. La Bible nous dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent. Donc, quand vous commencerez à multiplier la crainte de l'Éternel, sachez que son ange va commencer à camper tout autour de vous. Donc, les combats qui étaient jadis les vôtres deviennent un combat spirituel angélique. Puisque nous ne combattons pas contre les sang et la chair, mais contre les principautés. Donc, pour livrer maintenant cette bataille spirituelle, vous devrez introduire les anges dans votre combat. Vous appellerez le nom de Jésus-Christ pour condamner les actions qui veulent s'accomplir dans le présent, mais qui, jadis, ont déjà été faites. Que la victoire qui vous avait déjà été assurée. Au cas, au moment où vous êtes déjà dans le combat intense, c'est là où vous allez vous référer à ce que Israël avait fait devant le mur de Jéricho. Le premier jour, vous allez prier une fois, le deuxième jour deux fois, le troisième jour jusqu'au sixième jour six fois, le septième jour vous allez crier maintenant votre victoire. Ça vous allez faire tomber les murs de vos adversaires. Rien n'est au hasard. Tout ce qui est dans la Bible, ce sont des stratégies avec lesquelles nous allons combattre. Donc, les combats dans votre vie, c'est bien d'appeler le feu, c'est bien d'appeler le nom de Jésus-Christ, mais ces combats demeurent parce que vous dites que vous vivez dans les champs de bataille. Le simple fait que vous avez mis dans votre tête que vous vivez dans les champs de bataille, ceci intensifie votre combat et ramène votre combat dans votre dimension présente.
Donc ramène votre combat dans la dimension présente. Or, je dirais que c'est votre erreur. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, nous voyons des gens qui combattent toute leur vie, qui combattent parce qu'ils veulent combattre. Vous allez combattre. Parce que Dieu, tel qu'il a créé l'être humain, Dieu lui a donné la capacité des 11 000 ennemis. Puis Psaume 91:7 nous dit ceci. 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc, tu as déjà toi-même la possibilité des 11 000 ennemis. Donc, tu as la capacité de faire face à 11 000 ennemis. Ma soeur, mon frère, est-ce que les sorciers qui t'attaquent sont au nombre des 11 000? Non. Ils ne sont pas au nombre des 11 000. Donc, vous êtes paniqué pour rien. Donc, votre panique favorise les attaques de sorciers. Mais, dans les attaques, vous pouvez faire face, vous pouvez résister. L'unique chose qui vous exclut vraiment du combat totalement, c'est la vie de sanctification. Donc, plus que les diables intensifient le combat, plus que vous aussi intensifiez la vie de sanctification et la vie de la prière. Donc, si vous priez une fois, allez deux fois, allez trois fois. Parce que vous êtes un vainqueur. Vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez déjà dans la victoire. L'erreur que l'Église, nous commettons, nous voulons combattre. Élisée qui était fort, Élisée qui était un grand prophète de l'Éternel, qui pouvait faire descendre le feu sur les armées des Philistins, il avait juste dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts. C'est parce que votre adversaire n'est pas physique. Puisque lorsque vous perdez votre énergie en combattant un adversaire physique, vous n'allez plus aimer. Or, Jésus nous dit d'aimer nos ennemis. Moi, il y a des sorciers qui m'attaquent, mais je mange avec eux. Je les connais. Pour ne pas aussi les déranger, pour ne pas aussi briser l'amitié, je ne te dis rien, mais je connais que tu es sorcier. Parce que si moi je te dis de ne plus m'attaquer, ça veut dire que je te fais une faveur. Parce que si tu ne m'attaques pas, l'Éternel ne va pas te détruire. Afin que l'Éternel te détruise, moi je vais laisser que toi tu puisses m'attaquer et l'Éternel va te détruire. Mes chers amis, si les démons étaient plus forts que vous les croyez, moi qui vous parle ici, je serais déjà mort depuis longtemps. Parce que moi je suis leur pire cauchemar. Moi je suis leur pire cauchemar. Mais si je suis vivant, ça veut dire que c'est l'Éternel qui fait vivre, c'est l'Éternel qui fait mourir. Le diable est tellement faible qu'il est obligé de passer par un homme. Donc même son pouvoir n'est pas complet. C'est vous qui donnez foi à son pouvoir. Lorsque vous croyez, je vous dis que il faut minimiser les attaques de l'ennemi. Je voudrais que vous criez à l'église comme vous faites au nom de Jésus, le feu, je veux ça. Mais votre attitude garantit votre victoire devant tout combat. La Bible nous dit dans Psaume 91, tu ne craindras pas la flèche, tu ne craindras pas la peste. Donc, votre crainte en la matière, la crainte d'abord, donne une vie à votre corps astral qui attire toutes les entités négatives. Je vais vous donner un exemple. Vous êtes devant un chien. Parfois, ce chien ne voulait pas vous attaquer. Parce que vous émettez les ondes de peur, ça va entrer, ça va inciter l'instinct animal qui viendra vous attaquer. Et donc, même si votre ennemi venait sous forme d'un animal, sachez que Dieu avait donné le jardin d'Éden et tout le monde, y compris tout ce qui existe, pour que Dieu domine sur ça. Donc, n'importe quelle forme que le diable prendra, sachez-le que vous êtes supérieur à ça. Donc, vous pouvez rater les heures de prière, mais instaurez l'heure à laquelle que vous devrez faire la prière qui sera liée au chiffre 12 même. Parce que le chiffre 12 fait descendre le feu. L'heure appropriée pour faire descendre le feu, pour incinérer les œuvres du diable, c'est 12. Ça peut être 12 heures du matin, après-midi. Souvenez-vous, Élie, pour faire descendre le feu sur le taureau, il avait construit un autel sur 12 pierres. C'est en ce moment-là que le feu était descendu.
Pour que le feu, les langues de feu descendent dans le jour de Pentecôte, les apôtres, les 11 apôtres, étaient obligés de choisir un 12e apôtre qui devrait remplacer Judas. C'est en ce moment-là que le feu était descendu. Le Saint-Esprit sous forme de feu. Je sais que vous voulez appeler le feu à n'importe quel moment, mais l'heure appropriée pour appeler le feu afin de mettre la confusion dans les camps de votre ennemi, c'est 12 heures. C'est 12. Mettez vos alarmes. Parce que déjà, à partir de là, dans les villes, c'est à partir de 0h jusqu'aux 4h que les sorciers ont des réunions. Dans les villages, c'est à partir de 19h. Mais déjà, à partir de 18h, le sorcier est en communication avec les mondes astrales. Donc son cœur devait endurcir. Il est déjà en parfaite communication avec leur monde. Donc il se prépare déjà pour exécuter les missions. Donc, pour bannir leurs réunions qui se tiendront, il faudrait avoir leur clé qui est 12h et il ne faudrait pas rater 4h. Pour défaire. Parce que la vie est faite de programmation. Je vais vous dire comment est-ce que le sorcier attaque. Parce que je vous ai dit qu'ils attaquent avec des forces spirituelles. Donc les sorciers se limitent qu'à partir des paroles. Donc toutes les attaques de la sorcellerie sont limitées par des paroles. Comment? Par exemple, il va dire que j'appelle un malheur quelconque, qu'un malheur quelconque l'atteigne. Qu'une maladie l'atteigne. Le sorcier dit des mots. Il compte sur ses esprits qui vont exécuter les mots qu'il a dit dans sa bouche. Parce que ce n'est pas un sorcier qui exécute. Il parle, il balaie, de sorte que je balaie la maison, que sa richesse s'envole. Il parle parce que tous les combats spirituels se situent dans les mots. Donc ils ont fait, toutes les attaques qui vous nuisent aujourd'hui sont faites à partir des mots. Donc l'unique moyen aussi vous... L'unique moyen aussi que vous avez pour défaire ces attaques-là, vous allez les défaire aussi avec des mots. Donc, j'annule les accidents qui ont été mis. J'annule. Vous commencez à partir de 4 heures déjà, parce que c'est à 4 heures que les sorciers viennent et rentrent dans la maison et ils attendent que ce qu'ils avaient programmé pendant la nuit, que cela puisse vous arriver la journée. Donc, si vous pouvez faire un effort, même pour 5 minutes, instaurez vos heures de prière de 0 heures. 4 heures. 0 heure pour perturber leur réunion, 4 heures pour défaire leur réunion. Mais vous devriez parler. Parce que le sorcier parle. Lorsqu'un sorcier parle, il croit que le malheur qu'il a dit va vous atteindre. Même si vous allez au plus puissant, au plus grand magicien du monde, si vous voulez éliminer une personne, ce magicien-là va vous dire de dire quelque chose. Donc sans les mots, il n'y a pas un combat spirituel. Sans les mots, il n'y a pas une dimension spirituelle. Même ceux qui sont dans la magie, il faut toujours prononcer les mots. Il faut toujours prononcer les formules. Ceux qui font des exercices spirituels, il faut dire toujours quelque chose. Donc tout se centre des mots. Alors, quand vous dites aussi vos prières, croyez aussi en vos prières. Parce que les incantations sont des mots. Alors pourquoi vous ne croyez pas aux propres mots quand vous dites que je condamne les esprits démoniaques, vous doutez à votre propre prière. Mais quand un sorcier dit cela, il croit que cela va vous arriver, il est à l'aise. Il vous infiltre même pour voir comment est-ce que vous serez mort. Il croit sur sa propre parole. Mais vous, étant donné qu'enfant de Dieu, lorsque vous dites des mots qui vont déstabiliser, le mot que nous disons a un impact. Je vous dis, si un jour Dieu pouvait faire la grâce, pouvez-vous faire grâce à tous ceux-là qui vous ont attaqué spirituellement, de vous dire ce qu'ils ont vu quand ils vous ont attaqué. Je ne crois pas que vous allez négliger votre prière. Donc donnez la foi à votre propre prière. Donnez crédit à votre propre prière. Invoquez le feu. Mais croyez à ce que vous dites. Donc laissez votre combat dans le passé. Dans le présent, confessez votre victoire. En condamnant toutes les œuvres de la sorcellerie. Parce que comme ce sont des esprits, je vous ai dit que les esprits là vont passer toujours par un être humain. Donc vous êtes d'abord plus fort qu'un démon. Voilà pourquoi il n'a pas le courage de venir vous affronter lui-même. Donc, l'attitude positive. Vous avez besoin, un, de l'attitude positive quand vous faites votre prière. De banaliser les pouvoirs de Lucifer. Si Lucifer était puissant, il n'aurait pas vous attaqué 2, 3 fois, 4 fois. Une seule attaque, il vous aurait tué. Combien de fois il vous a déjà attaqué? Combien de fois il vous a déjà attaqué? Plusieurs fois. Ça veut dire qu'il essaye. Donc, ramenez dans votre esprit que vous êtes fort. Ça, ce n'est pas la prière de délivrance.
Ça, c'est la prière de combat pour se défendre. La prière de délivrance aussi est différente. Je parlerai aussi de la prière de délivrance prochainement. Mais ça, je parle de la prière de combat pour se défendre. Mais pour sortir très vite du combat, vous devrez avoir la vie de sanctification. Sinon, vous resterez dans le combat. Donc, aujourd'hui, j'ai parlé de la prière de combat, mais qui n'est pas la prière de délivrance. Je parlerai aussi de la prière de délivrance. Donc, pour rappeler encore une fois de plus par rapport à notre programme, le mois prochain, je serai à Miami, en Floride, pour un programme dans lequel je vais prier, nous allons prier tous avec, pour des familles, donc des familles qui ont des problèmes spirituels, des familles qui sont victimes des attaques de la sorcellerie, alors nous irons là-bas, ou des attaques de la magie, nous irons là-bas, nous allons prier afin de ramener le calme. Et comme nous sommes dans un pays où les droits parlent plus fort que nos mots, donc nous ne serons pas à mesure d'arriver et de dire dans une telle maison, telle personne est de la magie, telle personne est de la sorcellerie. Nous allons d'abord demander volontiers qui connaît quelque chose, même si connaissons que c'est lui qui connaît la chose, s'il ne veut pas dire, nous allons poser une action prophétique sur laquelle la personne qui connaît quelque chose va tomber dans des sérieux problèmes, il va nous rappeler. Et nous allons prier, en ce moment-là, nous allons arracher les aveux à cette personne, nous allons arracher les témoignages parce que là, la personne au moins va se dénoncer lui-même et nous allons exiger un protocole sur lequel la personne doit signer un petit quelque chose pour nous montrer qu'il a dit cela sans qu'on lui fasse pression. Donc, c'est comme ça que nous allons procéder à Miami, donc en Floride, à partir du 13, je suis déjà là, les 13, les 14, les 15, je serai là et il y a déjà des familles qui vont me recevoir. Donc, préparez-vous pour cet événement familial qui n'est pas un séminaire. D'ailleurs, mais qui est juste un moyen d'aborder, d'aider directement les familles. Parce que lorsqu'on va à l'église, on reçoit des gens à l'église, mais parfois les problèmes se trouvent à la maison. Donc nous devrions, parce qu'un sorcier ne peut pas vous attaquer s'il n'a pas mis quelque chose dans votre maison. Donc quand il y a les attaques de la sorcellerie, il y a des choses qui sont déjà mises dans la maison. Donc il y a des antennes, il y a des moyens de communication, parfois des gens qui sont toutefois malades, il y a des choses qui sont mises dans la douche. C'est très souvent là-bas parce que c'est là où beaucoup de gens ne prient pas, dans la douche. Donc on doit faire les tours de la maison, consacrer la maison afin d'arrêter toutes ces choses-là. Donc moi personnellement je demande surtout au peuple d'Haïti qui sont en Floride là-bas de nous inviter chez vous parce que je sais que vous avez vraiment des vrais combats spirituels avec des vrais démons. Donc nous serons là. Donc en ce qui concerne le combat spirituel, donc ce que je veux vous dire, ce que je vous ai dit, c'est de garder l'attitude positive, de ne jamais ramener votre combat dans les prisons. Donc dans les prisons, vous confessez votre victoire qui a été déjà acquise dans les passés. Donc Dieu vous a créé, vous a donné la capacité de combattre avec 11 000 ennemis. Donc je pense pas, si vous n'avez pas 5 000 ennemis, donc sachez-le bien que vous avez paniqué pour rien. Donc gardez l'attitude positive et ne tombez pas dans les mayas qui est le point zéro, qui est le péché. Donc, c'était tout pour le programme d'aujourd'hui. Quand je parlerai maintenant de la prière de délivrance, c'est ces moments-là que je vais prendre le mur de Jéricho en profondeur, parce que la délivrance va consister à faire tomber des murs, va consister à faire tomber des hôtels, va consister à faire tomber des hôtels qui sont bâtis depuis dans les passés. Donc, la mission d'aujourd'hui est juste centrée par le combat individuel. Parce que pour la délivrance, vous avez besoin d'une personne. C'est comme si vous êtes dans un trou. Pour sortir dans un trou, quelqu'un doit vous donner la main pour vous faire remonter du trou. Et cette personne qui va vous donner la main doit être plus fort que vous. Parce que si vous avez plus du poids que lui, vous allez entraîner cette personne dans le trou. Donc même le pasteur qui va pour faire la délivrance doit être sûr qu'il est plus fort que la personne qu'il veut tirer du trou. Sinon cette personne-là va l'entraîner dans ses problèmes. Donc dans la prière de délivrance, c'est une prière que nous allons parler un peu plus en profondeur. Et nous allons un peu parler de l'auto-délivrance et nous allons parler de l'aide spirituelle que vous avez besoin pour recevoir la délivrance. Donc le vendredi déjà de la semaine prochaine, je parlerai de cette prière-là, de délivrance. Donc là, je vous ai donné ce mot sur la prière de votre combat individuel. Donc que Dieu vous bénisse.